préparer mes affaires parce qu'on part en week-end. À quelle heure est-ce qu'on part? Ouais, 14h30 normalement. Merci. Donc du coup, il faut savoir que je suis une grande stressée et organisée de la life. Donc j'ai tendance à préparer mes affaires extrêmement en avance. Mais pour une fois, je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je voulais le faire avec vous. Non pas que ce soit du coup de votre faute, mais du coup c'est vrai que je me suis dit cette fois-ci, si on préparait les affaires ensemble, et comme je me suis dit que je préférais filmer tout d'un coup plutôt que de filmer un petit bout lundi, un petit bout mardi, un petit bout mercredi, de toute façon ça revient au même, c'est juste que moi j'ai pour habitude de préparer en amont, et là c'est vraiment la même chose. Donc bref, on va faire ces petites préparatifs, de toute façon étant donné qu'on part pour aujourd'hui, demain, 4 jours et 3 nuits, j'ai pas besoin non plus de beaucoup de trucs, mais moi j'aime bien faire mes affaires, c'est une étape que j'adore. Du coup ça me permet de me projeter, je suis là, je me dis ok ça je le prends, ça me va, d'accord, je prends le minimum, alors que des fois il faudrait penser à prendre le maximum parce qu'il y a les au cas où. C'est l'erreur. Ok, vous me direz si vous aussi vous faites ça, mais j'aime bien mettre en fait un truc de fond, genre sur mon téléphone, une vidéo YouTube, un truc comme ça. Pour une fois je vais pas le faire, du coup je peux mettre des trucs sur mon téléphone, comme ça on va choisir ensemble. Voilà, alors du coup, il faut qu'on prévoie donc 3 tenues, et pour se projeter encore plus, masse, ce que je fais c'est que je mets par exemple là le truc avec ça. Ok, ça sera mes 3 tenues, et comme ça après j'emballe, et emballer c'est peser. Donc pour la première tenue, je pense qu'on peut partir sur cette jupe là que j'aime beaucoup. Première tenue, ça fait pas une tenue en fait, c'est juste une jupe. Il me faut un débardeur. Ensuite du coup une robe. Et une fois que j'ai mis cette robe, ça c'est vraiment le t-shirt qui fera... Enfin le t-shirt c'est un pull. Vous ne voyez rien là. Laisse tomber. Et ensuite il me faut quelques tenues de plage. J'ai pas trop de plage. Un short, un deuxième short, évidemment. Ensuite une chemise, on est bon là. Regardez-moi ça là. Première tenue, body avec jupe longue. Et si jamais j'ai trop chaud avec ce pantalon, je pourrais mettre cette jupe aussi avec. Donc on est good. Un maillot de bain, 2 maillots de bain, 3 maillots de bain. Les culottes, très important. Ici, des tenues pour la journée. Donc en fait, j'ai pris 2 pantalons, 2 shorts, mon pyjama. Ma trousse. Non pas une trousse pour écrire, mais une trousse avec ma skincare et tout. Si je prends pas ça, je suis cuite. Et voilà, la valise est... Enfin non, elle est pas bouclée. Il faut juste que monsieur mette ses affaires. Je vais mettre le trépied parce que je pense que je vais en avoir besoin. Là, j'ai mon sac pour la voiture. Ici, mon ordi, une petite paire de tongs. Et voilà, je suis habillée, prête à décoller, yo. En fait, je fais ma maline, mais... Dire au revoir à mes fleurs parce que là, elles ne survivront pas du week-end, c'est sûr. Oh non... Au revoir les fleurs. Lately you've been loving something that you always wanted. A loaded question but you're messing cause you're never honest. Every time I talk about it you just get up and go. Oh, oh. Je fais la paparazzi. Oh wow. Tell me do you need me. Je te tiens, tu me tiens. Non. Ouais, Joe, je te montrerai. Pardon. Tu veux que je te prenne en vidéo? Hein? Tu veux que je te prenne en vidéo? T'as vu? Sur le... Et bras tendu, hein. C'est bon? Ça va exploser. Oh, c'est un vrai métier, ou? Oh, c'est un métier. Oui. Stylé. C'est très bien.
T'aimes bien ? Petit remplissage de formulaire pour les allergies et pourquoi il y a dessus ? Toi, il faut que tu rajoutes tes informations. Avec une petite serviette bien fraîche et bien propre que je viens de mettre sur la table. Passeport, date de naissance, prénom. 1, 2, 3. Alors, au petit déjeuner, buffet quotidien de 7h à 10h30, service de chambre, 500 roupies, ça représente 10 euros. Après, tu as le dîner, donc il y a plusieurs endroits où on peut manger. C'est le Mondo, ok. Mondo, il faut pas faire réservation pour petit déjeuner. Bah, on fait déjà Beach Rouge ce soir, non ? Oui, on peut vérifier si on a la disponibilité. Ouais. Alors, je vous filme entre deux, regarde, dans le retour caméra. C'est entre le truc de... le shaker, et ça aussi c'est un shaker, non ? Il se dévisse alors ? Oh, regarde. Tu es au fils de merde, ah, tu mets la paille. Ah oui, ouais, t'as raison. Un petit champ de tout ou pas, là ? Ici, à votre droite, une salle de bain. Ah, ici, le basque, avec une belle luminosité, une petite douche, à l'italienne, enfin presque à l'italienne. Waouh ! Ça fait des... Backstage. Les bruitages. Wow. Ici, on arrive et là, vous voyez, il y a le bar. Il y a de l'absolute. Let's go. Non. Du coup, ici, un petit dressing. Étant donné que quand tu fais une réservation pour deux, aujourd'hui, devinez qui je suis. Allez, c'est ciao. Je suis Madame Geoffrey. Aujourd'hui, je suis Madame Geoffrey. Non. Non, mais voilà, je suis trop gênée. Donc là, c'est si jamais tu veux changer ton bébé. C'est pour ça que je voulais dire ça. Ah, okay. C'est si tu veux changer ton gosse. Mais voilà, il y a un petit dressing. C'est sympathique. Là, un petit miroir. Et là, la chambre. Ouais, le lit, super. Et il a l'air molto. Ouais. Refait. Il est mort de fond, moi. Ouais. Donc là, super. La télé ici, pour qu'on puisse bien regarder la télé. Ouais, un petit sac pour la plage, ça fait plaisir. Et puis là, on a une terrasse. Avec ici, hop là, une petite vue, trop cool. Ce que j'aimerais bien faire là, c'est finir le montage de ma vidéo. Et je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi, probablement qu'avec Moni, on va aller faire un peu de spa, s'il y a de la place. Faut que je vous fasse charger un petit peu. Le pire, c'est en fait ce soir j'ai une blague à faire, mais. C'est quoi ? C'est en fait on les appelle et ça ils peuvent pas le mettre en silencieux. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Mais il y a même une balance pour contrôler mes TCA. Il y a des trucs, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça sert à quoi ? Là, il y a la caméra. Attends, vous voulez faire un truc ou quoi ? Savoir juste pour me mettre à charger ma caméra. Attends, parce que Loud elle me dit un truc. Tu dois faire charger ta cam et après c'est bon ? Non, j'ai demandé, mais vous, ce que vous alliez faire ? Non, bah le sport après. Vous y allez maintenant ? Allez, je vous mets un petit peu en charge les beaux gosses et puis je reviens. C'est une vidéo. De faire là. Je vais pas en français. Hein. Oui, c'est pour parce que si jamais vous voulez regarder, si jamais vous voulez voir, Moni, elle sort aussi un vlog de ce week-end. Sauf que elle le fait en anglais, donc je vous mettrai sa chaîne en description. Mais du coup là, on vient de réserver le spa sauna, donc on va aller se faire une petite session détente. Pas que, on va faire un bain glacé. Oui, c'est vrai. On aurait dû lui demander à combien il était. Ouais, ce sera la surprise. Et du coup, en fait, surtout la mission que je voulais te donner, étant donné que tu n'as pas le sens de l'orientation, c'est de nous ramener chez nous. Oh putain. Je pense que tu peux y arriver. Attends. On n'a pas monté des escaliers, hein ? Si ? Si. Oui. Bah, c'est par là. Ouais, on est arrivé par là. On est arrivé par là-bas. Exacto. Simonie, elle nous ramène à la maison. Un cocktail. Un mètre de shooter. Mais purée, ça y est, comme à la messe, la darling. T'es vraiment comme à la messe. Et je crois que nous, notre chambre, c'est celle-là. Hein. Ah non, je pensais que c'était celle au-dessus. On verra tout-y. Ah oui, parce que vous êtes sur l'herbe. Là, nouveau home tour. C'est l'appart de Moni, mais c'est exactement le même que le nôtre. Alors, bienvenue chez... Dans ma crotte. Oh non. Il y a trop d'interrupteurs. Attends. Ah, voilà. Ah. Bienvenue chez moi.
Bienvenue chez moi. C'est Vogue, oui, Vogue c'est ça. House tout. Bonjour Hello, Vogue. Et comme on disait tout à l'heure, du coup, je vous ai fait charger. Je vais juste installer mes 2-3 affaires. Regarde-moi. Attends. Et après, on se casse. Je sais pas si tu vois là. Ça, c'est vraiment c'est ce qu'on disait avec Moni. T'arrives à un endroit et tu t'installes, wesh. We did actually again. I'm just so worried your telephone. Ah, t'es en train de filmer, c'est quoi ça? Alright. Outfit of the day, mais on n'a pas le temps parce que ah putain, je voulais boire de l'eau. Fais en fait tranquille, t'as dit. Shit. Tranquille, en vrai. Et voilà, comme neuf. Ah bon? Tu ah ouais. Allez vite, on y va, c'est parti. Allez les gars, du coup. Là, on va tout faire. Ici, c'est la partie upsell. Là, je sais pas où on est. Oui, peut-être. Et là, tu as un autre si tu veux te changer. Mais c'est bon, on est déjà prête, yo. Donc, on va d'abord commencer par le bain glacé. Il est à 9-12 degrés. Et l'idée, c'est de après alterner. Je vais déjà peut-être regarder l'autre. Ici, c'est sauna. Et ici, vas-y. Respire, respire, respire. Moi, je suis restée 3 minutes, je crois. Mais c'est insoutenable. Non, non, attends. Ça fait chier. Pourquoi venir s'embêter d'ici? Non. Défonce les jambes. Ouais, je pleure les dents. Là, je vais le mettre. Non, mais ça peut. C'est une dinguerie. Je vous ferai un topo tout à l'heure, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est de l'eau secrète. Ah ouais, c'est de l'eau infusée à la pierre. Pardon. Étant donné qu'il reste une personne dans la zone, j'en profite pour vous faire un petit sauna tour. On va dire que c'est comme ça, un sauna tour. Un spa tour. Ouais, un spa tour plutôt. Du coup, je vous montre parce qu'étant donné qu'il n'y a vraiment personne, c'est vraiment le luxe de vous montrer. J'aime beaucoup. Ça te fait rougir de ouf. Donc Moni, elle est un peu moins fan. Mais j'aime bien. Ensuite, il y a... Hop. J'ai vérifié avant, il n'y avait personne. Ensuite, on a la piscine ici, avec un coin jacuzzi là. Donc, je pense qu'on va aller faire un petit plongeon. Et là-bas, on a le bain glacé avec l'entrée. Ah oui. 9 degrés, le bain glacé. Trop beau. T'arrêtais pas de t'éloigner, j'arrive pas à te retourner ta main. Oui. Je me rapprochais, le verre il faisait. Ok, c'est après avoir bu un petit coup, se laver et après on va aller manger. Le seul truc c'est que j'ai pas fait charger mon téléphone, mais vous, vous êtes chargé. Ouais, vous, vous êtes vraiment beau gosse. Hein. Est-ce que j'ai pas... Putain... Je vous ferai un retour par rapport au spa et tout tout à l'heure. Mais là, je suis détendue. Hein. Et j'ai l'impression d'être un peu Jesus avec la lumière derrière, non? Toi, avec tes bons yeux... Bon, c'est pas grave si tu te mangerais du cœur. Mais t'as sauté en plus comme si c'était une piscine. Ah oui, mais c'en est une. Une piscine de rêve. Demain, j'allais dire demain grâce mat, mais demain on va manger pour pouvoir organiser les activités et après faire un spa. C'est pas du tout reposant en fait. Tu sors du lit et t'as tes pantoufles. C'est trop ah ouais cool. Oh, c'est trop bien, on en a là. Oui, j'adore. Allez, je me prépare et après on va aller manger. Non, c'était déjà comme ça. On est arrivé, non. Je sais pas. Il y avait déjà des pantoufles là-bas. Ouais, il y a quelqu'un qui a même fait ça avec le lit. Oui, ça c'était pas comme ça non plus. Pas laisser n'importe quoi à n'importe qui, hein. Comme Jérôme Jarre. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, tu connais? C'est Rémi Gaillard, ça.
Est-ce que je suis pas un cliché? Si, c'est vraiment marrant. Je suis un cliché, hein? Ouais, en plus t'es un peu bronzé. C'est quoi le rapport? Bah ça a l'air un peu cliché aussi. D'être bronzé? T'as pas écouté? Si, c'est un cliché d'être bronzé. Je le vois à ton regard quand... J'ai entendu. En fait, quand il m'écoute pas, je le vois parce qu'il a le regard qui est vide. Ton regard, tu sais, ça fait ça. Oui? Allez. Je vais me préparer parce qu'on va aller au resto et pour l'instant on est en avance mais on peut être vite en retard. Mes yeux ils sont tellement rouges qu'on dirait pas que je suis détendue. Oh what? Mais la caméra elle a pas chargé. T'as de la batterie sur ton téléphone? Les gars, je vous fais le petit outfit. Super. 100%, t'inquiète. Ok, bah je pense que je te piquerai un peu ton tel pour filmer. Donc aujourd'hui, que voilà-je? Le t-shirt, bah je l'ai clairement volé à Moni. Voilà, je vous le dis, c'est un naked. Hop, il est super confortable et je trouve qu'il est super bien taillé. Mon pantalon, c'est un vieux pantalon de tailleur de chez Bershka. Et en chaussures, je vais mettre celle-ci. Comme ça, au moins, mon pantalon ne traînera pas par terre. Et je pense qu'on va se mettre en route dans quelques minutes, quoi. Parce que là, c'est l'heure. Ok, donc un petit aperçu de ce qu'on va manger, de la carte même tout simplement. Je sais pas si ça se dépine ici. Oui. Ah ouais. Je ne sais pas quoi prendre. En fait, j'ai bien envie d'une bonne viande. Qu'est-ce que tu vas prendre toi, ma vie? Tu vas prendre quoi? Quoi? Là, c'est toujours là. En entrée, oui, c'est bon. Si vous vous savez aussi, on peut commander. Ouais, ok. J'ai finalement pris une décision, mais du coup, je vais pas vous dire tout de suite. Je vais vous montrer directement ce que j'ai choisi. Alors, on m'a toujours appris à prendre. Qui c'est qui t'a appris ça? Un verre pour s'enjailler et un verre pour rester. Et en vrai, vous rigolez, mais j'ai la même composition. J'ai un verre de folie, un verre pour rester éveillé et un verre pour s'hydrater. Ça, c'est un expresso martini, il y a du café dedans. Exactement. Et toi, t'as trois verres? Non. Non, ma fille. Et voilà pour moi une petite terrine, les gars. Là, on a. C'est quoi déjà? Du poulpe. Poulpe grillé. Un petit tartare. Un nouveau poulpe. Bon appétit. Et on a du coup ici un magret de canard. Salade. Merci. Oui. Merci beaucoup. Ah ouais. Tu vois les clochards? Moi je prends un clochard. Oh là là, my god. J'ai trop mangé. J'ai bien mangé. Et là je vais boire un coup. Enfin je dis je vais, mais on va tous ensemble. Je vais pas toute seule. J'ai tellement bien fait de prendre un. T'as froid? Moni, elle est frileuse. J'ai mangé de la glace. Oui, c'est vrai. Non, mais attends, on est pas bien là. On peut faire mon avachi. Je vous dis. Moi, j'aime bien me tenir droit. Mais tu sais, un fauteuil. J'ai un doute là. J'aime bien. T'aimes bien ou pas? J'aime bien, le dos, il est droit. Good morning. Good morning. Non mais je suis désolée par contre. On dirait que je me suis pas reposée. Pourtant j'ai bien dormi hein. Mais je pense que j'ai pas assez dormi. Salut. Avec les chaussures. En fait les chaussons ils ont. On dirait qu'ils ont un scratch. Petit dérapant. Brossage de chicot et après au petit déj. Il est 8h. Thank you.
Quoi? Être moi. Viril. Viril. Très récemment, du coup, ma pupus là m'a demandé. Parce que maintenant, c'est un peu tout le monde. Ma puce, ça a toujours été Val. Et ma pupus, c'est vrai que c'est plus Moni. Mais du coup, ma puce tout court m'a demandé de télécharger Sois réel. Ça fait au moins 3 ans. Je lui ai dit, je ne vais pas publier. Je le sais, je vais oublier. Il m'a dit, bah n'oublie pas. Bah voilà. C'est fait. Ça fait 3 jours que j'ai oublié. Ce qu'on va faire, là ils nous ont mis une petite étoile et sur cette petite étoile en fait c'est indiqué genre les indications j'allais dire. Les indications. Ah, il y a Monique qui appelle. Les indications sont indiquées. Du coup il nous dit, veuillez me placer sur votre lit si vous souhaitez des draps frais. Veuillez placer vos serviettes dans la baignoire si vous souhaitez les faire remplacer. Pour en savoir plus. Et n'oubliez pas d'éteindre la lumière avant de partir. Donc là, du coup, on va le mettre sur le lit. Comme ça, ils vont nous changer les draps. Et là, toutes les serviettes, du coup, on va les mettre dans la baignoire. C'est bien, Babi, t'en as mis une des deux serviettes. Et voilà. Je fais comme je peux à une main. Hein. J'aurais déjà appelé Moni ma plus. Ouais, je mets les serviettes. Parce qu'en fait, c'est... t'en as mis qu'une. Je veux pas les autres. Moi, je veux juste qu'on me change une serviette. Moi, c'est que celle-là. Allez, c'est parti. Failli oublier l'étape la plus importante. Là, on s'était littéralement barré et je suis revenue en courant parce que j'avais oublié de mettre la crème. Allez, hop. Et ce qui est bien du coup, c'est que vraiment, je passais par la terrasse. Ni vu ni connu. Et voilà. Coucou ma vie, ma pupus. Tout à l'heure, on a remis les pendules à l'heure parce que du coup, j'ai dit à Joe, ouais, ma pupus et tout. Il fait, attends, mais c'est qui ma pupus? Parce que du coup, il y a ma puce Moni, il y a Val. C'est tout le monde. Donc toi, t'es ma pupus et Val, c'est ma puce. Comme ça, au moins, les choses sont claires. T'as bien dormi ma pupus? Ouais, franchement, au lit. Il y a juste un truc relou, c'est les capteurs. Et quand tu te bouges, il s'éclaire en fait, tu vois. Ah bon? Ouais, vous avez pas ça? Je crois pas qu'on ait ça, nous. Ça me dit rien. Oh, mais what the fuck? Un peu de gourmandise. Là, vous avez des fruits. Ici, j'imagine. Ok, croissante. Viens, je t'emmène dans un endroit secret. Oh là, j'adore ça. Dis-moi en plus. Oh, mais trop bien qu'on puisse manger du salé. Ah d'accord. Bon, désolé pour vous, la fréquence va pas être agréable. Du coup, ça fait que sauter la louche. Oh d'accord, d'accord. Ah oui, d'accord. Eh mais... What milk, rice milk, soya milk, almond. Ouais, c'est exactement ce que je vais prendre. Bon, après, ce qui est bien, c'est que comme c'est varié, t'as la possibilité de, genre, prendre une petite gourmandise, mais de manger aussi sainement, donc ça va être un peu équilibré, je pense. On va voir comment... Ah ouais. On va voir comment on organise tout ça, mais là, pour l'instant, je vous avoue que tout me tente. Oh là, mais il y a... Oh là, d'accord. Oh là. Ok, bon. Un arbre à cookies. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse d'abord... C'est en effet qu'on fasse du salé et qu'on fasse du salé un peu sain. Comme ça, après, on peut ajouter une touche de gourmandise sans qu'on mange et que, tu sais, on en abuse. Comme ça, ça fait un équilibre. Parce que, bon, ça va vite et on est toujours en période de perte de poids volontaire. Et oui! Gaufre, chocolate, everything you want. Allez! Ça c'est super. Bien sûr. Le cadre il est assez idyllique hein. Alors on a plusieurs types de miel. Je pense qu'avec mon iced coffee, le mieux ça serait peut-être un miel assez nature. Ou alors vous voyez ici, vous pouvez aussi le gratter. Alors par contre ça j'ai jamais fait, donc je vais voir ce que ça donne. Je sais pas si j'y arriverai à une main, mais je sais pas comment faire. Alors
avec mon miel que j'ai durement gagné. Un peu de miel. Je pourrais le goûter. Bien sûr. J'aurais dû peut-être le goûter aussi avant. Ouais, il est bon. Tiens, le miel, j'ai jamais goûté un miel des deux. Tu sais, les trucs aux fleurs et tout, j'aime pas trop. Ouais, le miel de pain, c'est vraiment pas ouf. Miel de sapin. Je crois que j'ai jamais goûté. Oh, tu trembles ? Oui. Non, 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 je me fous. Bien sûr. Fais pitié, mon truc dans l'assiette. Ouais. Je me suis surprise à prendre le plus petit. Fallait vraiment que je le goûte, mais là, ça fait trop, là. Bah, parce qu'il y en a des plus gros. Ouais, ils ont différentes tailles. Ah ouais ? Bah, regarde. J'aime bien comme il est petit par rapport au tien. Mais si, il est petit. Non, mais regarde. C'est un mignon comme ? C'est bon. Mmh. Ah oui, Doubert, là. Mmh. Ah ouais. Vive la France. Bien manger. Ça va, je suis contente, j'ai pas trop abusé. Mais en vrai, si vous voulez chiller, moi, je vais peut-être faire les quelques trucs que j'ai à faire pour le boulot maintenant pour vraiment avoir plus rien à faire de ma journée. Ah bah, si tu préfères, vas-y, on est mort. Moi, je pense que je vais faire ça. Ça m'a l'air pas mal. Ça me permettra quand même après d'être vraiment en détente. Et là, moi, je fais partie des gens qui détestent aller dans le lit quand ils sont habillés. Mais étant donné qu'on va changer les draps, c'est un truc que j'ai jamais fait. Alors du coup, je me sens un peu comme si j'avais pas le droit de faire ça. Je suis hors la loi. Je suis hors la loi. Oh putain. Je suis hors la loi. Ça se fait pas ce que je fais. C'est interdit. J'ai l'impression que c'est super interdit. Oh, choupette. Regarde, je suis même pas droite. Ça me... En vrai, je vais faire ma sieste après. Parce que après, vraiment, je vais littéralement travailler pour après aller me reposer. Genre, dormir sur la plage, faire du spa. Donc c'est pas, tu sais, je me repose avant de faire une activité. C'est que je me repose avant de me reposer, sinon. Je vous rends, ouais. Petit stack de... Petit... Oh, défilé de mode de Joe pour Loud. Hein ? Ouais, ouais. Tout ça pour dire que, tout à l'heure, le pain au chocolat, je compte bien en remanger demain. Il était sous fringe. Ah, franchement, il était un délice. Il était couscous galette. Ça, c'est marrant. C'est la mienne, ça? Ouais, la mienne, elle est dans la pochette. Ça, tu vois, hein. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, là. Bon, allez, me casse. Tu vas où? Je vais chiller. Ça, c'est trop cool. J'espère que tu vas bien chiller. Je me mets en mode Dark Momo. Là, je serai Dark Loud. Boulot, boulot, boulot. Oh, je suis trop bien là pour travailler. C'est bon. J'ai bien travaillé maintenant. Ça s'est arrêté. J'allais dire, bon bah maintenant que j'ai bien travaillé, je peux enfin me mettre en mode week-end. Un peu d'eau. La seule chose, le seul problème, c'est que je ne bois pas assez d'eau. C'est parti. It's only you I see. We're drunk at the bar. Allez. For the second time this week. And I know it's kinda crazy. We've been good friends for so long. I get so excited lately when you say you're going home. And now my mind is blowing and my heart is racing. And now the question that I'm slowly facing is it love, is it love, is it love I'm feeling? Is it love, is it love, is it love I'm feeling? Je sais pas pourquoi, je suis partie, j'ai fait mon sac et je suis pas partie avec le bon sac. Heureusement c'est pas loin. Et du coup bah, j'en ai profité pour mettre mes lentilles et cette fois-ci on y va. Les garçons m'ont dit que c'était hyper beau, apparemment Joe a vu un hippocampe et tout. Donc je me suis dit allez vas-y tu sais quoi, je mets mes lentilles comme ça, au moins je ne rate rien. La pauvre Moni elle m'attend pour aller plonger, je fais trop ma vie. Mais là c'est...
tiède, pas chaud parce qu'on vient de récupérer le tel, donc forcément en fait on vient d'en parler, mais avec tout le monde là du coup on a fait un peu de bouée. C'était hilarant. J'aurais adoré avoir une GoPro comme tu disais, un truc pour pouvoir filmer parce que vraiment c'était trop drôle. En fait ce qui était trop marrant c'est que au tout début Rem dit premier degré, oh c'est confort en vrai, et en fait de l'extérieur ça se voit que c'est pas si confort que ça alors qu'on était bien. Mais c'est ça qui était trop drôle, c'est que vraiment en fait il disait on est confort et les garçons ils volaient et on n'arrivait pas à s'arrêter, on rigolait, on avait des crampes de partout, tu sais, t'as tous les muscles, les abdos, il y a tout qui est contracté. C'était vraiment trop trop drôle. Enfin bon voilà, c'est la première fois en plus de ma vie que j'en fais et putain c'était vraiment vraiment super drôle. Je sais pas exactement quelle heure il est. Puis après on va voir hein. Pour l'instant c'est vraiment full détente. Où est-ce qu'on va là? On va Graïsadaran. Oula. Les garçons sont allés manger, donc en fait ce qui est bien, j'ai pas fini ma phrase mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce qui est bien c'est que dans l'hôtel en fait t'as plusieurs points où tu peux aller manger, donc des food trucks, des restos, des buffets, des machins. Du coup ça permet d'avoir un peu une alimentation variée. Nous avec Moni, étant donné qu'on voulait manger un peu sainement tout simplement, on va aller au buffet là où il y a plein de trucs justement un peu plus healthy. Ah d'accord, et bah là ce sera à la carte du coup. Je vais tout vous montrer les gourmands. On est trop bien là. On est vraiment trop bien. Mais en fait tout à l'heure on n'avait pas capté, mais tu sais là, il y a de l'eau. C'était de l'eau, ouais. Mais après je me suis rendu compte que ça passait pas, c'est pour ça que j'ai pas. Ok. Tu pourras demander sûrement qu'à la carte ils auront une. Je crois pas, parce que quand je l'ai demandé, elle m'a dit non, vous savez, nous, on est du coup, bah ouais, ok, that's why. Alors, inspiration ferme. Vibrante, composée de légumes cueillis à la main dans notre ferme, ainsi que des pâtes, des sandwichs et des hamburgers. Ensuite on a. Sandwich et hamburger. Je vais pas faire entrée et plat comme hier. C'est quoi pide? Je sais pas. La burrata, avocat, bonjour. Merci. J'en avais bien besoin là. Mais c'est ça qui est trop bien par contre, c'est que sur la carte il y a une petite lettre qui te permet du coup de savoir si le plat contient des produits laitiers, si c'est gluten, de l'alcool, s'il y a des noix et si c'est végétarien aussi. Elles sont grosses les salades ou pas? Ça va? C'est un peu bon. Pour l'instant, merci, c'est gentil. Feta cheese. Feta, c'est du fromage de brebis aussi. Tomates séchées avec une sélection de alpano. Je vais pas en manger beaucoup, sinon j'aurais plus faim, mais je vais bien en goûter. Tu veux leur raconter un petit peu ou t'as pas envie? Bah non, c'est juste que moi j'ai un estomac très fragile et je digère pas tout. Et l'eau filtrée, ça passe pas. C'est ouf en vrai. Je dois avoir une flore intestinale complètement déréglée et bébé. Sensible. Ouais. Elle est un peu bébé, sa flore. Et sensible, donc ça me donne des grosses crampes d'estomac. Comme le lait de vache. Je prenne soit de l'eau en bouteille, mais en fait, il n'y a que ça. Hein. Le problème, c'est que du coup, au luxe, en fait, ils ont que des eaux en bouteille, en verre, et c'est... De l'eau filtrée, il n'y a que ça, genre rien d'autre. C'est pas genre de l'eau de montagne, des trucs donc, comme ça quoi. Voilà. Donc à la fin du séjour, si vous ne me voyez pas, c'est que je suis transformée en mais chips. Non, ma vie. Parce que du coup, pour l'instant, elle ne peut pas boire. Et là, donc la réception lui ont proposé de te ramener de l'eau s'il trouve. Et s'il ne trouve pas, faudrait qu'on aille à l'extérieur pour en acheter comme ça. Bah, je transforme pas en chips quoi. Alors là, Moni, t'as toujours pas appris de tes erreurs. Après, si tu termines, tant mieux, hein, mais ça a l'air énorme. Sache-le. Non, abuse pas. Il y a une burrata dedans. Oh non, sérieux? Mais la burrata, tu peux? Ça dépend, des fois ça passe, des fois. Alors, en fait, là, comme j'ai mon estomac qui est sensible depuis ce matin. Mais burrata, je croyais pas que c'est du lait de vache. Hein. Ouais. En fait, moi, à côté, c'est tellement léger, franchement, je sais pas comment tu le fais. Burrata ou. Comment ça s'appelle? La mascarpone. Je sais plus si c'est la mascarpone ou c'est la burrata que je. Regarde sur internet ce que c'est la burrata, mais burrata il me semble que c'est pas du lait de vache, donc c'est pour ça que c'est pas mal. Mais ça a l'air incroyable par contre. Mais par contre c'était pas écrit sur la carte, parce que j'ai fait exprès de prendre ça, il y avait pas de dé. Justement c'est parce que c'est pas laitier. Regardez-moi ça, une assiette bien vide. Très délicieux. Après on va aller se faire un petit dessert et puis notre mission ça va être d'aller acheter de l'eau. De toute façon on verra, ça se trouve cet après-midi ça va pas se passer comme prévu, mais normalement c'est ce qui est prévu, on verra. Et demain plein de choses de prévu aussi hein, purée. On va pas s'ennuyer, hein. Parachute ascensionnel,
Il y a aussi le bateau avec le fond en verre. Enfin bon, c'est en courant. J'arrête pas de tousser. Allez, on va aller chercher de l'eau. Ouais, là je suis très prof. Putain, grave, tu m'étonnes. I should start to say I must have told you that I feel this way. We start over and with each new day I'm happy just to be here again. I'm happy just to be here again. Et voilà. Et du coup, le Graal. J'ai pris deux packs parce que la carte c'était minimum 4 euros. Toi tu es gourmande. Je suis très sérieuse. Notre always, I promise it's voilà. True. Elle a plus de cheveux, mais elle a happy just to be here again. I'm happy just to be here again. J'ai fini le montage de la vidéo de demain, donc c'est superbe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que à la réception, alors hier quand on est arrivé, elle nous a dit qu'il y avait 2-3 trucs qui étaient sympas à faire ici. Et là, à la réception, il y a un espèce d'arbre à vœux, un truc un petit peu mignon à faire. Et l'idée, c'est de mettre son nom, son numéro de chambre, son adresse, son numéro de carte bancaire. Non, je rigole, c'est pas chier. Pour se faire retrouver. Tu mets vraiment tout. Et l'idée, en fait, surtout derrière ça, c'est que après, je crois qu'il y a un espèce de tirage au sort et tu gagnes des trucs. Mais nous, c'est plus pour la symbolique du vœu, je trouve que c'est trop mignon. Ouais, je vous dirai c'est quoi mon vœu. On manifeste, mais non. Et toi, tu vas leur dire? Bah non. Un peu une pince. Throwing stones at your window, let me in. All that I am is where my hands begin. If I could be your shelter in the storm, I would. If we're together in the hours of dawn, there's something about your eyes. The way they shine in the light, like diamonds on the sea, they put my mind at asleep to the sound of your heartbeat. You say it's late when I see you in my dreams. Moi quand je vois ça, je suis désolée. J'ai trop envie de faire comme dans la vie, pas la César et Cody. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel. Around too many times, I'd never hurt you if I could. So you let your guard down. You're like a glass.